Voilà la carte SenseHat telle que je l'ai reçue de chez QBI. Donc pour le premier test, j'ai choisi de la monter sur un HDMI PI. Donc le port GPIO étant accessible, ça pose pas de problème. Il suffit de pas mettre les doigts devant la caméra. Voilà, donc elle est en place. À l'allumage, on a un scintillement des LED qui doit être produit, je pense, pour les tests. Et puis ça s'éteint. Donc j'ai commencé par choisir, j'ai choisi d'afficher un texte défilant. Alors ça pose aucun problème, il suffit d'envoyer la commande pour afficher le texte et puis le texte apparaît. Donc un journal lumineux rapidement fait. Alors ici c'est une mesure de température avec un système de barre, donc les LED servent de barre d'affichage. Donc j'ai réglé la température maxi à 35 degrés, donc on voit qu'on est autour de 30 degrés quand même, comme la carte fonctionne depuis un moment, là le capteur est chaud. Et là, donc là en soufflant sur le capteur, je fais baisser la température. Donc si on arrête de souffler, ben, ça va remonter. Et si on met le doigt sur le capteur, ça remonte encore un peu plus. Le clignotement des LED qu'on voit là, il est dû au film. Hein, en réalité, à 80 Hz, là, il ne voit pas. Donc on peut aussi afficher donc des images JPEG. Donc ici, c'est un Space Invader. Et par une simple commande, on peut inverser l'affichage. Donc on peut faire un flip. Et donc adapter en fonction de la position de la carte, l'affichage qui va être fait. Donc là, je fais défiler toutes les couleurs, c'est également un des tests qui est fourni, un des tests de la carte. Donc toutes les couleurs défilent, la caméra est un peu saturée, donc on voit pas trop, mais enfin on voit bien que les couleurs changent. Donc là, on fait défiler toutes les possibilités de couleurs rapidement, et puis ça, c'est le test arc-en-ciel. Donc on a un arc-en-ciel qui défile en travers de l'afficheur. Donc là, on revient sur le HDMI PI. Et sur un Raspberry Pi 2, j'ai lancé donc le test 3D, donc qui consiste à afficher Apollo Soyuz, et donc le mouvement de la carte HDMI va faire suivre au vaisseau les mêmes mouvements. Donc après, c'est en fonction des axes, hein, pitch, yaw et roll. Mais là, on voit bien que quand le HDMI bouge, et ben la station spatiale bouge en même temps. Donc on voit que quand la carte passe à la verticale, il y a parfois des sauts, c'est parce que les axes s'alignent et là c'est plus très bien géré. Mais enfin bon, ça peut se gérer par soft. Puis pour que ça soit un peu plus visible, donc j'ai monté la carte sur un Raspberry Pi 2 tenu à la main, devant un écran. Et donc là, on a un meilleur suivi, je pense, de ce qui se passe. Donc là, on filme l'écran et voilà la carte. Et donc on voit que le moindre mouvement en fait de la main est recopié par la station spatiale. Bon, selon les axes, on n'est pas forcément aligné sur les mêmes axes, mais bon. Et là, on voit bien les sauts rapides quand on passe à la verticale. Donc on peut imaginer que si cette carte est montée sur un drone par exemple, eh bien elle va informer le calculateur de vol de la position du drone et que celui-ci pourra réagir en fonction donc des perturbations. Voilà, donc en quelques minutes, là on a fait le tour des principales possibilité de la carte SenseHat. Et je vous laisse la découvrir également. Donc merci d'avoir suivi cet essai de la carte SenseHat et à bientôt sur framboise314.fr.